Chers et chers amis, chers et chers collègues, je vous remercie toutes et tous d'être venus si nombreux et certains de bien loin. Avant de vous présenter Luis Iskovic, venu spécialement de Paris pour nous, je souhaite, ça va le micro, tout le monde entend, je souhaite, comme le disait Jacques Lacan, entre guillemets, vous faire entendre quelque chose. Faire entendre parce que l'enseignement de Lacan a été essentiellement oral. Un enseignement qu'on venait écouter de partout. Maurice Merleau-Ponty, Mustapha Safouane, Didier Anzieux, André Green, Françoise Dolto, Colette Soler, ou encore Dali, par exemple, Françoise Giroud, Louis Althusser, Julia Kristeva, et bien sûr, et bien d'autres, et j'en passe. Le discours analytique se répercutait. Faire entendre, c'est d'abord dire que nous sommes des parlettes, des êtres parlants, que notre inconscient est structuré comme un langage, une affirmation qui semble s'opposer à l'inconscient freudien compris comme un réservoir de pulsions. Je vais aller plus lentement pour la traduction, j'ai l'impression. Faire entendre, c'est aussi dire que l'analyste se doit de faire entendre à son patient le discours de son désir. Car entendre, c'est installer la langue en un seul mot, signifiant maternel, l'allation au cœur de l'écoute psychanalytique. Entendre, c'est entendre le singulier de chaque analysant et pour faire de chaque cure une expérience poétique au sens incommensurable de ce mot. Entendre, c'est un défi que nous faisons pour conceptualiser Lacan en langue arabe, pour en comprendre les signifiants et nous installer en arabe dans le discours psychanalytique. Entendre, c'est entendre et transmettre. 1981, Jacques Lacan est mort à 80 ans d'un problème neurologique qui l'empêchait de parler. Il était amputé de la parole, cette parole qui fonde l'être. Peut-être se trouvait-il dans le réel impossible à dire, comme il disait. Considéré à l'Est comme une science bourgeoise, à l'Ouest comme une immoralité ou une anti-religion, la psychanalyse avait du mal à frayer son chemin, à prendre sens. Freud faisait partie des discours quand advint la théorie lacanienne, impénétrable pour ses divers détracteurs. À contre-courant des tendances de l'époque, celle de la psychanalyse globalisée qui réduit l'inconscient à des schémas abstraits ou cognitifs, Lacan passe aux yeux des Américains et des Américanisés pour un franchi quelque peu baroque. Puis, c'est avec des pour, avec des contre, enfin, les écoles, les espaces et les champs de la psychanalyse s'ouvrent et prennent une ampleur internationale. On y revient même en Amérique au jour d'aujourd'hui. Au Liban, la position des globalistes est encore un rejet simple et sans nuance de la psychanalyse, tandis que les anciens de la psychanalyse freudienne ont un regard quelque peu anecdotique sur une pensée qui leur est méconnue. Malgré l'ostracisme libanais versus la psychanalyse, en général, et la psychanalyse lacanienne en particulier, un groupe de 25 personnes lire Lacan, intitulé Lire Lacan, mais vraiment, je vous demande de les applaudir. Où êtes-vous? Mettez-vous debout. Donc, un groupe de 25 personnes lire Lacan a le courage aujourd'hui au Liban de fonder un forum Liban
son comité fondateur, dont les membres psychanalystes font partie de l'EPFCL France, est composé de mesdames et monsieur Hélène Issa. Mets-toi debout. Bella Aoun. Sonia Chamaoun Zino. Aline Assaf. Hoda Daher. Et Mounir Chalhoub. Deux, d'avoir la volonté de faire partie de l'international des forums du champ lacanien et d'avoir cette ouverture vers l'autre, la finalité de la transmission. Trois, de se retrouver le 17 juillet à l'Assemblée internationale des psychanalystes à Medellin, en Colombie, pour l'inscription de la reconnaissance internationale du Forum Liban devant une centaine de personnes, plusieurs centaines de personnes. 600 personnes. Nous serons 600 personnes à Medellin, en Colombie. Mais qu'est-ce que la psychanalyse aujourd'hui? Luis Iskovic, vous êtes psychanalyste, psychiatre, vous exercez la psychanalyse. Vous êtes un des membres fondateurs de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien. Vous enseignez au collège de clinique psychanalytique de Paris. Luis Iskovic, qu'est-ce que la psychanalyse aujourd'hui? Pourquoi soulève-t-elle tant de débats et de rejets alors que née depuis près d'un siècle et demi avec Freud, Lacan a fait entendre quelque chose de la psychanalyse la première fois en 1932. Luis, à vous donc la parole. C'est avec plaisir que j'ai accepté de venir à Beyrouth pour aborder ce thème et grâce à l'initiative de Leila Chicani, que j'ai rencontré il y a quelques mois à Paris. Donc, elle a voulu, elle est venue, et comme elle est tellement convaincante, elle m'a convaincu. Il conviendrait d'ajouter un sous-titre à cette conférence. L'option de Lacan en psychanalyse. Car il s'agit de cela. Aborder l'incidence de l'enseignement de Lacan dans la psychanalyse et l'importance de nous y référer dans le monde d'aujourd'hui. Notre axe sera centré sur Lacan par rapport à la clinique psychanalytique. Je vais commencer par une formulation qu'il avance très tôt. Je le cite. La psychanalyse n'est pas une thérapeutique comme les autres. La formule se trouve dans le texte Variante de la cure type, qui est un titre qui lui avait été en partie à Lacan, ainsi qu'à d'autres auteurs, à l'époque par un comité de psychanalystes des tendances diverses en vue d'une publication. Le projet était vaste, car ce comité avait été choisi par un ami psychiatre de Lacan, Henriet, éminent psychiatre français, dans le cadre d'une mise au point des méthodes thérapeutiques en psychiatrie. À ce titre, il a été demandé à Lacan de faire partie des psychanalystes qui devaient rendre compte des méthodes thérapeutiques en psychanalyse. Lacan a accepté la proposition, mais il a pris à l'envers, c'est-à-dire il a mis en question l'intitulé en ce sens qu'il a considéré l'intitulé comme une déviation par rapport au postulat de l'inventeur de la psychanalyse, Freud. Autrement dit,
Si Lacan a pris le titre à l'envers, c'est parce qu'il veut mettre la psychanalyse à l'endroit. L'accent dans l'intitulé « Variante de la cure type » est mise sur le terme des variantes. Et c'est ce que à quoi Lacan objecte, car il a une idée simple et précise. Une pratique est une pratique analytique ou elle ne l'est pas. Il n'y a donc pas de variantes. De même qu'il n'y a pas une cure qu'on puisse retenir comme étant une cure type, soit le modèle de la cure analytique. En effet, Lacan exclut l'idée des variantes. Ce qui est exclu est par exemple l'idée des psychothérapies d'inspiration analytique, où on prend certains aspects de la théorie ou de la pratique, et on abandonne d'autres aspects. Si Lacan adopte une position sans compromis, c'est parce que l'idée de l'éclecticisme qui suppose les mélanges des idées afin de les adapter aux situations pratiques est incompatible avec la psychanalyse. Ce n'est pas pour Lacan une question de radicalisation de la pensée. Ce n'est pas de l'ordre d'un extrémisme analytique. Car chacun est libre de choisir. Tout d'abord, c'est lui qui souffre. L'analyste reçoit celui qui souffre. Il n'est pas le seul. Donc c'est lui qui souffre, il est libre de choisir vers quel clinicien il souhaite s'adresser. De même, les cliniciens peuvent choisir quelle technique ils peuvent utiliser pour soulager la souffrance. Par contre, il existe un devoir de la part des psychanalystes qui est d'assurer qu'est-ce qu'une psychanalyse et qui est en condition de s'autoriser comme psychanalyste. Autrement dit, il s'agit pour Lacan, à cette époque, de se servir de cette occasion pour interroger ce qui fonde une psychanalyse, quand une psychanalyse est une psychanalyse. Si j'évoque ces débats, c'est parce qu'il est d'une actualité absolue et constitue un enjeu crucial pour notre position dans la clinique. En effet, si tous les cliniciens conviennent que les modalités des symptômes ont changé depuis l'invention de la psychanalyse, s'agit-il de maintenir la logique du dispositif analytique pour traiter les symptômes, ou s'agit-il de trouver des formes plus modernes de les aborder? Autrement dit, faut-il se servir des variantes possibles à la psychanalyse, ou s'agit-il de rester sur ce qui constitue son essence? Je reviens à l'article de Lacan, variante de la cure type. On connaît son sort, publié dans un premier temps par le comité qui lui a demandé la rédaction. Il a été par la suite retiré, pas par Lacan, qui va le publier dans ses écrits. Une des formules frappantes de ces textes est, comme je l'ai évoqué, la psychanalyse n'est pas une thérapeutique comme les autres. Elle indique tout d'abord une coupure entre la psychanalyse d'un côté et toutes les autres méthodes thérapeutiques de l'autre. Maintenant, si Lacan pose cette différence, c'est avant tout par une question des méthodes internes à la méthode analytique. Autrement dit, sur un point, l'expérience analytique, la psychanalyse inventée par Freud, fait objection à être intégré à l'ensemble des pratiques dites psychothérapiques. La psychanalyse partage avec toutes les formes de psychothérapie
l'effet d'être une thérapeutique. Donc, retenons ce premier point, la psychanalyse est une thérapeutique. Première partie de la phrase. Mais à la fois, elle s'en distingue. Bien sûr qu'il y a des différences entre les différentes formes de psychothérapie. On peut distinguer parmi celles-ci celles qui privilégient les techniques du corps, les dites thérapies comportementalo-cognitives. Il y a des thérapies des paroles, donc différentes à celles du corps, les thérapies des paroles qui gardent la référence à la psychanalyse. C'est pour ça qu'elle s'appelle psychothérapie d'inspiration analytique. Puis, à l'intérieur de cette division, il y a d'autres différences. Elles relèvent pourtant toutes des différences d'ordre technique. Si par contre, on met la psychanalyse à part, ce n'est pas en raison de sa diversité technique, mais surtout parce que l'offre thérapeutique de la psychanalyse est différente. Je ne dis pas que c'est mieux, que c'est pire, c'est différent. C'est ce qu'il s'agit de démontrer, en quoi il y a une spécificité de la psychanalyse. Avec les différentes thérapeutiques, on s'aperçoit qu'il s'agit à nouveau d'une question de choix. En supposant qu'on puisse choisir, parce que souvent celui qui souffre et formule une demande veut juste que la souffrance cesse, et le plus rapidement possible. Ça, c'est tout le monde qui veut ça. Et il n'est pas censé connaître quelles sont les différentes options thérapeutiques qui s'offrent pour la résolution de ces maux. Il existe une exigence pour les psychanalystes. Comme le dit Lacan dans cet article, qui est celle d'éclairer sur la spécificité de la méthode analytique dans des cercles qui sont en dehors de la communauté analytique. La question, donc, pour nous aujourd'hui, pourrait se résumer ainsi. Quand est-ce qu'on peut dire qu'une psychanalyse a été une psychanalyse ? Est-ce que vous pouvez hausser la voix, s'il vous plaît ? Oui, je peux. Merci. On déduit, à partir de ce que Lacan postule dans ce texte, qu'il renverse le postulat classique. Ce que j'appelle les postulats classiques sont ceux de la communauté analytique en dehors de Lacan. Ce sont ceux que, depuis Freud, ont été définis en termes de standards analytiques, qui sont des règles qui fixent le déroulement de la cure analytique. Par exemple, il est encore d'usage que quelqu'un, pour pouvoir se prévaloir comme ayant fait une analyse, il raconte qu'il a vu un analyste pendant 4 ans, 4 fois par semaine, avec une durée de 50 minutes la séance. Mais est-ce si sûr que ce sont des critères suffisants? Ces critères définissent un cadre, mais est-ce qu'ils définissent ce que ça peut apporter une psychanalyse? Si on reste au niveau de ces standards, on peut affirmer que quelqu'un a rencontré un analyste. Mais est-ce qu'il a fait une analyse? C'est juste un exemple, mais il n'est pas rare. Cela révèle la difficulté qui est de rendre compte des effets d'une analyse. Au fond, c'est la question qui se pose à tous ceux qui ont passé par l'expérience analytique. Au fond, qu'est-ce que ça t'a apporté? Et c'est juste comme question, et il est indispensable d'y répondre à ces questions. Cela révèle la difficulté de rendre compte des effets d'une analyse, et on supplée à la difficulté par des critères liés à la temporalité, ce qui revient à introduire une formalité quant à ce dont il s'agit
et de rendre compte des rapports à l'inconscient. C'est cela l'option de Lacan en psychanalyse. Tenter de rendre compte des effets sur l'inconscient, les effets qu'une analyse a sur l'inconscient, au-delà du message formel de ce qui fait le cadre d'une psychanalyse. Donc, je résume, pour Lacan, l'essentiel sont les effets, ce n'est pas le cadre. Le renversement de Lacan a consisté donc à poser que les standards sont juste la conséquence d'avoir retenu le message freudien sous un aspect purement formel. S'intéresser à l'enseignement de Lacan revient à s'intéresser à ce qui n'est pas formel, à ce qui fait la substance d'une analyse au-delà des règles techniques. C'est pourquoi Lacan, pour affirmer qu'est-ce qu'une psychanalyse, a fait dans le texte évoqué une proposition consistante et en première vue déconcertante, puisque, je le cite, il dit « une psychanalyse, type ou non, est la cure qu'on attend d'un psychanalyste ». Cela déplace complètement l'angle d'approche et place la question de qu'est-ce que la psychanalyse, elle est déplacée sur la formation des analystes. Et en même temps, situe le centre du problème à partir d'une question, qu'est-ce qui donne la garantie qu'on a fait une analyse? Qu'est-ce qui donne la garantie, au fond, que quelqu'un est un analyste? On remarque à nouveau que la méthode analytique est abordée sous la forme d'une exigence qui pèse pour ce que Lacan plus tard va désigner sous le terme « le désir de l'analyste ». Car il y a un devoir chez les analystes qui est de garantir ceux qui sont en condition d'assurer l'opération analytique. Si j'évoque le terme d'opération, opération analytique, ce n'est pas juste une métaphore, car Lacan formule de façon précise qu'une psychanalyse, c'est une opération sur le symptôme. Ça veut dire que la psychanalyse, elle s'occupe essentiellement à modifier les symptômes du sujet. Donc là, on voit une proposition qui coupe complètement court à toutes les idées qu'on s'est fait de la position de Lacan comme position intellectualiste. La position de Lacan, on pourrait même la dire pragmatique, opérer, mais au sens d'opération chirurgicale sur le symptôme. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. Qu'est-ce que traiter un symptôme? Traiter un symptôme, c'est dévoiler sa dimension imaginaire, soit faire sentir au sujet que ce qui, chez lui, consiste à faire ou à dire en fonction de ce que les autres lui renvoient comme image de normalité. La dimension imaginaire du symptôme est relative du rapport du sujet à l'imaginaire et à l'idée que chacun c'est fait de la normalité. D'autre part, l'opération analytique sur le symptôme consiste à faire connaître à l'analysant, soit c'est lui qui fait l'analyse, précédemment, avant Lacan, c'est ce qu'on appelait le patient, donc consiste à lui faire connaître ce qui fait l'énigme de son symptôme, autrement dit, élucider ce qui fait le côté opaque de sa personne, ce qui lui échappe, ce qu'il n'arrive pas à maîtriser. Quand Lacan pose la dimension symbolique du symptôme, il ne fait pas dans l'analyse autre chose que ce que Freud avait conçu dans la pratique
en s'appuyant sur le concept de refoulement. Donc, il y a une dimension imaginaire, une dimension symbolique dans les symptômes, puis il y a une dimension réelle. La dimension réelle, c'est le point d'irréductible. Le reste du symptôme après l'interprétation. Et c'est dont il s'agira pour un sujet de fabriquer à partir de là un savoir-faire. La question donc se pose, pourquoi ? Quand on demande la spécificité de la méthode analytique, on répond que ce qui est crucial est de savoir qui est l'analyste. La réponse, à nouveau, est qu'il s'agit d'une conséquence de la méthode analytique concernant la guérison. Sur ce plan, Lacan a rigoureusement suivi Freud et proposé des formules qui sont convergentes. Ainsi, il avance « Le désir n'est fait qu'assujettir ce que l'analyse subjective. » Ne vous inquiétez pas, je dirai qu'est-ce que ça veut dire. Puis, il le propose aussi ailleurs, plus étonnamment, la guérison comme bénéfice de surcroît de la cure analytique. Je me propose de démontrer ces deux formulations qui sont convergentes et qui démontrent, selon moi, que la psychanalyse n'est pas une thérapeutique comme les autres. Tout d'abord, je commence. Le désir n'est fait qu'assujettir ce que l'analyse subjective. Le verbe subjectiver n'a pas ici le sens qui serait que l'analyse introduit une subjectivité, c'est-à-dire quelque chose de partiel et contraire à ce qui serait une dimension comportant une objectivité. Le terme subjectif renvoie ici à un effet sujet. Ça produit un effet sujet. Autrement dit, ça produit un sujet. Maintenant, l'analyse subjective veut dire que l'effet d'une analyse est la production d'un sujet. Je ne vais pas déployer la catégorie des sujets pour Lacan qui diffère de la conception du sujet dans la philosophie. Retenons ici que le sujet, pour la psychanalyse, est l'effet du langage chez l'être humain. Que l'analyse produise un sujet, cela veut dire que la méthode analytique est basée au départ sur la supposition du côté de l'analysant. On suppose le savoir à l'autre. C'est pour ça qu'on vient rencontrer un analyste. Du côté de l'analyste, on suppose que du côté du patient, il existe l'inconscient. Et on suppose donc qu'il y aura la production d'un sujet. Mais en réalité, au début d'une analyse, il n'y a pas de preuve, ni pour l'analysant, ni pour l'analyste. Il y a juste des suppositions. Dire que l'analyse produit un sujet implique donc de soutenir qu'au début de l'analyse, il y a juste un sujet en devenir. Et que c'est seulement après l'analyse qu'on pourra affirmer qu'il y a un sujet. Autrement dit, il y a un changement pour un sujet avant et après une analyse. Donc, c'est ce que cette formule que j'évoquais veut dire, c'est seulement à partir d'une cure qu'on peut attester des effets sur l'inconscient qui sont des effets sur quoi ? Ce sont des effets sur le désir. Le désir capte ce que l'analyse produit. Donc il convient de remarquer que l'effet sur le désir est indirect.
C'est un effet de surcroît lié au bénéfice de surcroît auquel Lacan se réfère. Que le désir vienne de surcroît, c'est déjà différent des autres thérapeutiques. J'ouvre ici une parenthèse. L'originalité du champ psychanalytique, du retour à Freud de Lacan, tient à l'introduction de la catégorie du signifiant et ses effets dans la constitution du sujet, et donc des effets sur l'inconscient. L'opération du langage sur l'être humain implique un irréductible en ce qui concerne toute tentative d'approche objective. Un sujet, en effet, se constitue à partir des paroles qui lui viennent de l'autre, mais en même temps, le sujet n'est pas une pure marionnette de l'autre. Il ne se limite pas à répéter ce qu'il a entendu. Il devient sujet à partir du moment où il commence à assumer une parole propre. Il existe donc l'autre du sujet, d'où lui vient l'accès à la parole, et puis il y a ce qui est nouveau, propre au sujet, sa position à lui. Entre l'autre et le sujet, il y a un irréductible. Cet irréductible constitue la marque que chacun dispose, effet du désir de l'autre et source potentielle de ce qui va constituer la singularité de chacun. C'est cela, avant tout, l'orientation de Lacan en psychanalyse. C'est d'avoir pris compte de l'existence d'un irréductible, et plutôt d'avoir posé cela comme une impasse pour le sujet, il a fait de cet irréductible l'essence de sa pratique. Je l'explique autrement. Le sujet porte la marque du désir de l'autre. Cela, c'est Lacan avec Spinoza. L'essence du désir est le désir de l'autre. C'est ce que Lacan prend à Spinoza. Le désir de l'autre vient au sujet à travers les signifiants véhiculés par l'autre. Donc, le sujet fait son entrée dans le langage du fait qu'il a été désiré. Mais ce désir, du fait de venir de l'autre, laisse le sujet en position d'être aliéné à ce désir et fait donc du sujet un aliéné de l'autre. Disons donc que c'est une aliénation nécessaire, car sans cette aliénation, il n'y a aucune possibilité d'accès à une position singulière dans l'existence. Cela se répercute dans les demandes d'analyse. Le sujet qui demande une analyse est celui pour lequel le désir qui lui est venu de l'autre n'a pas réussi à se transformer en un désir permettant d'obtenir la satisfaction cherchée. C'est ça qui est à la base du symptôme. Un symptôme, du point de vue analytique, n'est pas, habituellement comme on le considère, une déviation par rapport à la norme. Le symptôme analytique est l'indice d'un désir qui n'a pas été satisfait. Donc, dans ce sens-là, il y a une théorie qui se dégage sur qu'est-ce que c'est la santé mentale du point de vue de la psychanalyse. Eh bien, il y a une définition très simple. La santé mentale du point de vue de la psychanalyse est d'avoir accédé à son désir. Si on est dans le désir, on est dans la santé mentale. Et ceux qui éprouvent un désir dans la vie, dans ce qu'ils font, dans ce qui constitue leur vie, sont des sujets, on le sent, ils sont avec une distance par rapport à tout ce qui pourrait être symptomatique. Car le symptôme,
Et ça, c'est Freud qui l'avait déjà perçu. C'est une satisfaction, mais substitutive. Ça veut dire qu'on satisfait à partir d'un symptôme ce qui n'est pas satisfait par ailleurs dans les désirs. Autrement dit, dans le symptôme, le désir trouve une satisfaction, mais à travers un circuit bien compliqué. Vous savez qu'il existe une expression en français qui dit « Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?» Eh bien, on pourrait définir la névrose par l'opposé. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? C'est aussi, on peut définir aussi la névrose par cette remarque de Groucho Marx qui disait « Je n'accepterai jamais d'entrer dans un club qui m'accepterait comme membre. » Pour démontrer la satisfaction du symptôme, il suffit de se rapporter aux symptômes de deux grandes névroses, l'hystérie et l'obsession. Le symptôme hystérique est une satisfaction paradoxale, soit une satisfaction dans la privation. Prenons l'exemple typique de cette femme qui tombe amoureuse, mais à chaque fois de la même façon. À chaque fois qu'elle commence une relation avec un homme qu'elle désire, elle se sent envahie par un symptôme, celui de l'amour pour l'homme avec lequel elle était avant et qu'elle a quitté car elle ne l'aimait pas. Donc c'est une amoureuse d'homme, mais sauf que pas au bon moment. Ça, c'est un symptôme. Autrement dit, elle tombe amoureuse, mais toujours trop tard. Et donc, elle quitte les hommes et vit dans l'insatisfaction d'un amour impossible. Cela confirme la définition de l'hystérie de Lacan. C'est désir des désirs insatisfaits. Il faut remarquer qu'il ne s'agit pas que le désir est insatisfait. Ce dont il s'agit, c'est que le désir dans l'hystérie est que le désir doit rester insatisfait. Autrement dit, le désir s'est satisfait dans l'insatisfaction. Le désir s'est mis au service de cultiver le manque. Pour l'obsessionnel, c'est la même chose, mais autrement. Le désir est désir de l'impossible. Cet homme l'exemplifie particulièrement. Donc, un exemple encore. Il tombe amoureux à chaque fois d'une femme qui habite loin. Il passe son temps avec les nouveaux moyens de communication pour maintenir la relation vivante. Sauf qu'à chaque fois qu'il a l'occasion de rencontrer la femme de ses amours en chair et en os, subitement son désir disparaît. Pour lui, la condition de son désir est la distance. Et dès que le désir pourrait se satisfaire dans le corps à corps, il s'évanouit. C'est ce qui l'amène à construire des murs entre son aimé et lui. Plus les trouvailles sont difficiles, plus l'amour peut persister, mais il ne peut jamais aboutir. En même temps, c'est ce qui fonde sa plainte. Rien ne peut se réaliser. Donc, si on admet que la névrose concerne le cas où pour quelqu'un, quoique de façon tortueuse, symptomatique, le désir s'est satisfait, on peut saisir que la demande d'analyse émane toujours de la part d'un sujet qui ne se satisfait plus de ses conditions de satisfaction et qui souhaite que quelque chose change. Donc, une analyse, c'est pour changer quelque chose. L'analyse n'est pas faite pour se connaître. Lacan utilise l'expression de facticité à propos de la névrose. Dans l'hystérie, c'est une facticité au regard de son sexe.
Et la facticité de l'obsessionnel, c'est une facticité à l'égard de l'existence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les structures hystériques, c'est une façon de répondre à ce qui apparaît comme question pour un sujet. Finalement, à quel sexe j'appartiens? Et la facticité nous indique que le sujet se fabrique une identité sexuelle des semblants. Autrement dit, dans l'hystérie, le sujet se forge une identité sexuelle, mais soutenue juste par les identifications, c'est-à-dire par ce que le sujet prend comme étant l'habillement qui lui vient de l'autre. Et la facticité à l'égard de l'existence, dans la névrose obsessionnelle, c'est la façon dont l'obsessionnel répond à la question qu'il absorbe, qui parasite chacune de ses pensées, qui est la question de la mort. Donc, quand Lacan pose qu'il y a un impossible du sexe et dont il s'agit d'accéder à partir de l'analyse, c'est à partir d'un nom d'identité sexuelle qui ne soit pas une fiction collective ni une fiction individuelle. Reste à ajouter qu'il ne faut pas que ce soit un délire. La question est de savoir ce qui n'est pas chez quelqu'un de l'ordre du semblant, de l'ordre de la forme, de l'ordre de l'apparence. Qu'est-ce que chacun a de plus authentique? Et le plus authentique pour chacun, c'est la jouissance inhérente à la fixation des 100 symptômes infantiles. C'est comme ça, on est tous des petites personnes qui avons grandi. Et ce qui fait l'essence de notre être est déjà fixé dans notre enfance. Ce qui est propre à chacun est le reste d'une marque indélébile. On ne se débarrasse pas de cette marque. Tout le contraire. Et ce n'est pas le but de l'analyse, de se débarrasser de cette marque. C'est le contraire, en effet. L'idée de Lacan, c'est que plus on fait sentir à quelqu'un quelle est sa singularité, plus ça le pousse vers le lien social. Donc, c'est essentiel à notre époque. Une pratique faite pour le lien social. Si je fais ces développements, c'est surtout pour souligner qu'il existe des demandes d'analyse recevables et d'autres qui ne les sont pas. La condition pour qu'une demande d'analyse soit recevable, c'est que le sujet veuille changer quelque chose à ses propres modalités de satisfaction. C'est aussi la fonction des entretiens préliminaires que Lacan a instauré. Une analyse nécessite qu'il y ait une demande. Et là, les débuts d'une analyse, c'est évaluer cette demande du sujet. Quand l'analyste accepte une demande, il présume qu'il y aura des effets sur la satisfaction du sujet. À nouveau, nous sommes dans le registre de la supposition. C'est de l'ordre de la présomption, car c'est uniquement après coup qu'on peut vérifier les effets. La démarche d'une analyse, à la base donc, comme je disais avant, est d'une présomption et pour une raison fondamentale, on présume de la possibilité des effets sur l'inconscient. Si j'évoque la notion de présomption, c'est parce que rien n'assure par anticipation sur les effets d'une analyse sur l'inconscient. Dans ce sens, on comprend la prudence de Lacan, que sur ce plan reste freudien et formule que l'inconscient est une hypothèse. Cela ne veut pourtant dire que l'analyste attende tranquillement les signes de l'existence de l'inconscient, puis il attend de voir comment le bateau arrive finalement au port. Quand Lacan formule que l'inconscient dépend qu'on l'écoute, il pose que l'inconscient n'est pas le même pour tous.
soit il n'y a pas d'inconscient collectif. Mais en plus, pour un sujet, l'inconscient n'est pas le même s'il est en analyse ou pas. À nouveau, l'idée est que l'analyste n'est pas dans la position d'un observateur neutre. Et cela soulève la question de qui guide la cure analytique. Il convient d'évoquer ici deux côtés, l'un qui relève du sujet, l'autre qui relève de l'analyste. Je commence par le sujet. Ce qui relève de lui, c'est la possibilité de se rendre responsable de sa position dans la vie. Bien sûr, il n'est pas responsable de tout. La thèse de Lacan, pourtant, est que le sujet est toujours responsable. Donc, comment quelqu'un qui n'est pas responsable de tout, il peut être toujours responsable? Bien sûr, un certain nombre de choses, et pour tout le monde, lui arrivent dans la vie qui ne sont pas de l'ordre de « il était pour quelque chose ». Mais quand Lacan dit « le sujet est toujours responsable », cela veut dire qu'il existe toujours un choix, même si c'est un choix inconscient. Et ça concerne le rapport que le sujet il va entretenir avec ses modalités de satisfaction. De cela, le sujet est responsable. Autrement dit, les mêmes causes produisent des effets différents selon le sujet. Et même les expériences, le plus traumatique, ça c'est quelque chose à faire une recherche là-dessus. Mais les causes, les pires causes traumatiques produisent des effets différents selon le sujet. Donc, c'est au niveau des effets qu'on peut déduire qu'il y a eu un choix inconscient. Puis, il y a un niveau qui est celui de l'interprétation des effets de la part du sujet. Un sujet, par exemple, qui de façon systématique renvoie la cause de ses malheurs aux autres, c'est la faute en tel ou à tel autre, rend d'avancer l'analyse impossible. Une analyse ne peut pas se fonder sur l'idée que le sujet rend l'autre responsable. Ça, c'est le côté sujet. Ce qui rend l'analyse possible, c'est d'être prêt à assumer la part qui nous revient dans le désordre qu'on dénonce. Venons-en à ce qui relève de l'analyste. C'est là qu'intervient de façon fondamentale l'idée, comme je disais, la psychanalyse n'est pas une thérapeutique comme les autres. Car cela suppose que l'action sur l'inconscient dépend de l'action de l'analyste et suppose aussi qu'il puisse y avoir du nouveau, c'est-à-dire quelque chose d'inédit pour le sujet dans son expérience. Je reprends la formule que j'ai laissée en suspens. La guérison comme bénéfice des surcroît dans la cure analytique. Ça concerne la méthode de la guérison. On ne guérit pas parce que l'analyste cherche à guérir. Et le désir de l'analyste n'est pas le désir de vouloir guérir quelqu'un. On guérit parce qu'on a été analysé. La guérison, donc, elle est indirecte dans une analyse. Donc, c'est convergent avec la formule que j'ai évoquée, le désir assujetti, c'est que l'analyse subjective. Autrement dit, on analyse quelqu'un et l'effet, ça sera sur le désir. Et s'il y a des effets sur le désir, il y a guérison. Cela interroge l'idée de qu'est-ce que c'est la guérison en psychanalyse. Car le principe de toute thérapeutique est basé sur le principe de la thérapeutique médicale, qui est, dans le meilleur des cas, revenir à l'état de santé, soit restituer l'état d'avant la maladie. Alors, ce serait quoi en psychanalyse revenir à l'état d'avant? On s'aperçoit que ce modèle ne peut pas s'appliquer à la psychanalyse, car la structure de l'inconscient
implique le refoulement. Et on ne se débarrasse pas complètement du refoulement. On finit une analyse, mais on ne se débarrasse pas de l'inconscient. On ne revient pas, après une analyse, à ce qui a précédé le refoulement. Car le refoulement fait partie de la structure du sujet et donc de l'inconscient. On ne guérit pas du refoulement. Donc, de plus, la thèse de Lacan, comme Léla l'a rappelé, est que le langage est condition de l'inconscient. Mais la structure du sujet nécessite en plus la production d'un symptôme infantile. C'est une subversion de la part de Lacan au niveau des concepts. Car l'idée toujours admise est que la normalité est l'absence des symptômes. Quand Lacan pose la nécessité d'un symptôme infantile, il prolonge l'idée de Freud pour qui la traversée d'une névrose infantile était indispensable, faute de quoi on était dans les zones d'autres structures cliniques comme la perversion ou la psychose. Donc le symptôme infantile n'est pas signe de maladie, mais il est structurant. Dès lors, la thérapeutique en psychanalyse ne peut pas être en fonction de revenir en avant le symptôme. Car par définition, c'est ça la subversion de Lacan, le symptôme par définition est nécessaire. À partir de là, je reviens, il est légitime de se demander de quoi guérit-on en psychanalyse. C'est un fait d'expérience qu'on guérit. On guérit de certains des symptômes. On guérit de l'angoisse. On guérit des inhibitions. C'est d'ailleurs ce que la psychanalyse partage avec d'autres méthodes thérapeutiques. Elle n'est pas la seule à produire ça. Maintenant, si la psychanalyse est là une place à part parmi les propositions thérapeutiques, c'est parce qu'elle fait une proposition inédite. Quand on dit une psychanalyse pas comme les autres, ça n'indique pas seulement une méthode spécifique pour accéder à la guérison, mais surtout indique que la psychanalyse guérit avec la production de l'inédit. La psychanalyse guérit en allant au-delà de la thérapeutique. Ici, Lacan prend au sérieux la question sur laquelle nous laisse Freud dans son texte « Analyse avec fin et sans fin », où Freud s'interroge si la psychanalyse produit un état nouveau inconnu pour celui qui, n'a pas fait une analyse. C'est là qu'on peut mesurer les conséquences de l'orientation lacanienne en psychanalyse. Premièrement, il y a du nouveau dans la méthode, à savoir, c'est la première fois dans l'histoire qu'on se sert d'une façon rigoureuse du langage, je l'évoquais hier avec un petit groupe de collègues, de façon rigoureuse du langage pour faire mouche dans le corps. Historiquement, c'était une tâche propre à la médecine. La thèse de Lacan, c'est que la psychanalyse est venue occuper une place laissée vacante par la médecine. C'est un fait connu que la médecine, elle ne s'occupe pas essentiellement aujourd'hui de la parole et des effets de la parole sur le sujet. La psychanalyse, elle s'est fait héritière en affinant la méthode. On peut le formuler comme ça. Il y a aussi du nouveau au niveau du désir. Car c'est le propre de la méthode freudienne. On élucide le désir inconscient qui se manifeste à travers les formations de l'inconscient, les rêves par exemple. L'interprétation analytique rectifie les interprétations des travers de l'inconscient du sujet. Parce que l'inconscient fabrique des interprétations et l'interprétation analytique
vient rectifier ces interprétations de l'inconscient. Mais l'analyse ne se limite pas à interpréter un désir qui était déjà là et mal compris par le sujet. L'analyse produit un désir inédit jamais rencontré. Et c'est en ce sens que c'est une expérience inédite. On peut se demander, qu'est-ce que ça a à voir la production d'un nouveau désir et la thérapeutique? Je l'ai un peu évoqué avec la santé mentale. Justement, les deux vont de la main, car du point de vue de la psychanalyse, être en bonne santé, c'est l'assomption de son propre désir. Je l'ai déjà montré, il y a aussi du désir dans la névrose, dans toutes les structures cliniques, il y a du désir. Mais c'est un désir qui implique soit la non-reconnaissance de ces désirs comme étant propres au sujet, soit la non-accomplissement du désir. Donc il ne suffit pas de reconnaître un désir. Il faut savoir si on veut l'assumer, ce désir. C'est d'ailleurs très visible quand on s'occupe de l'angoisse. Je fais une petite parenthèse sur l'angoisse, affect éminent dans une psychanalyse. L'angoisse est l'indice d'un désir, mais c'est un désir qui est en attente, suspendu dans sa réalisation ou qui est resté de travers sans pouvoir être accompli. L'angoisse, dans ce sens, laisse de l'espoir, car elle indique que le sujet n'a pas complètement renoncé à son désir. Donc l'idée de l'assomption du désir, c'est autre chose que d'être désirant. C'est se donner les moyens pour accomplir son désir. Et ça implique une condition préalable, que le désir soit en effet effet de la séparation de l'autre. Ce serait là un critère de la conclusion d'une analyse, au point d'être le ressort de l'éthique analytique. La question éthique qui guide une analyse, aussi bien le sujet. Après une analyse, elle pourrait être résumée ainsi. As-tu agi selon ton désir? La question elle est cruciale, car suppose trois niveaux. Les deux premiers seraient de l'ordre du savoir. Le premier niveau est relatif au fait que l'expérience d'une analyse se soutient d'une promesse implicite, la promesse, l'offre analytique, et qui prendrait un appui sur un « tu peux savoir ». Tu peux savoir quel est ton désir. Le deuxième niveau, lié au savoir, concerne la production d'un nouveau désir. C'est un savoir nouveau, qui est de l'ordre d'un savoir-faire. Le troisième niveau est lié à un savoir sur le désir, mais implique un au-delà. Car rien n'assure à l'avance qu'une fois que le désir qui nous anime est reconnu, on puisse vouloir ce désir. Le désir, parfois, il est scandaleux, il va contre les normes. Car ce nouveau désir n'est pas un désir d'aliénation, comme celui du début de l'analyse, mais un désir effet de séparation et donc dans son essence singulier. Je termine bientôt. Est-ce qu'on accepte donc ce qui nous distingue des autres en suivant l'expression de Lacan, ce qui nous constitue comme différence absolue? C'est là qu'intervient le troisième niveau qui serait celui de la satisfaction du désir. Si on admet que l'effet d'une analyse est la production du nouveau concernant le désir, logiquement, on devrait conclure que la satisfaction de ces désirs nouveaux, ça serait une satisfaction inédite. Je crois qu'on peut situer là le caractère radical de la proposition de Lacan en psychanalyse et l'éthique qui oriente cette pratique. As-tu agi selon ton désir? Toute la question de la psychanalyse aujourd'hui et dans le monde est toujours
de la même façon et de savoir si les analystes sont capables d'être à l'auteur de cette éthique. Je ne dis pas les sujets, les analystes. Si les analystes ils sont capables d'être à l'auteur de cette pratique, on peut se poser, on peut supposer et poser la question, est-ce que la marche est trop haute? La psychanalyse continue à exister depuis plus d'un siècle et puis plus de 35 ans après la mort de Lacan, alors qu'on pensait qu'elle était morte avec lui. Et c'est la preuve la plus évidente qu'il y a au moins quelques analystes qui sont à l'auteur. Et s'il y a quelques ans, il y a la porte ouverte à qu'il y ait quelques autres, et c'est ce que je souhaite pour le Liban. Merci Louis. Qu'est-ce qu'un psychanalyste? Une des formules frappantes du texte donc, de Louis Iskovitch est que la psychanalyse n'est pas une thérapeutique comme les autres. Il y a une coupure entre la psychanalyse d'un côté et les autres méthodes thérapeutiques d'un autre côté. C'est ce que tu nous as expliqué en disant aussi que Lacan renverse les conceptions et les critères de la psychanalyse d'alors, et il a une position non formaliste. En fait, la question que tu as posée, ou tu as déplacé la question, qu'est-ce que la psychanalyse? Tu nous as dit qu'est-ce qu'un psychanalyste, en fin de compte. Et le psychanalyste est celui qui exerce, dont l'activité consiste à exercer, donc tu nous as dit, des opérations sur le symptôme, ce qui fait donc et faire connaître à l'analysant ce qui fait l'énigme de son symptôme. C'est les mots que tu as employés. L'analyse, donc, l'analysant devient sujet à partir du moment où il assume sa parole, où il accède à son désir. Mais ce qui était très important également, c'est que la question de la psychanalyse, comme la question du psychanalyste, est liée à la question de l'éthique. Et c'est ça qui est le plus important. Peut-être que nous pouvons, pour être plus dynamiques et plus axés sur la question, ouvrir les débats. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. Je pense qu'il y a un micro qui doit circuler dans la salle. Voilà, et donc, il est là. Les personnes qui veulent poser des questions, vous pouvez poser des questions en arabe aussi. Je me ferai le plaisir de les traduire à Louis Iskovitch en français. Nous sommes ravis de votre présence parmi nous à Beyrouth. Ma question, c'est que vous avez parlé un peu de l'obsessionnel, de l'hystérie et d'autres choses. Comment placez-vous le psychosomatique dans la psychanalyse? Est-ce que c'est un sujet ayant un corps parlant? L'idée de Lacan, c'est qu'il y a des structures cliniques qui sont celles qu'il a prises de Freud et celles que Freud a prises de la psychiatrie. Donc, il y a une clinique analytique qui vient de la psychiatrie. Et ces structures cliniques sont la névrose, la perversion et la psychose. À l'intérieur de la névrose, il y a essentiellement la névrose obsessionnelle, la névrose hystérique. C'est encore à discuter, mais on peut laisser à part la névrose phobique, qui pour Lacan est une forme d'entrée dans les autres grandes névroses, donc les deux grandes névroses étant l'hystérie et l'obsession. Maintenant, les structures cliniques, elles se résument à ça. Donc, la psychosomatique ne peut pas avoir le même statut que ces autres catégories parce que ce n'est pas une structure clinique. Donc, dans ce sens, ce qu'on peut formuler, c'est qu'il peut y avoir des phénomènes psychosomatiques. Je préfère utiliser la notion des phénomènes des corps différents selon les structures cliniques, mais en soi, on ne peut pas considérer qu'il y a une structure clinique psychosomatique. Il faudrait peut-être distinguer entre la conversion
oui. sur le corps quand, et le phénomène psychosomatique ou les phénomènes de corps. Oui, quand on dit psychosomatique, encore faut-il comprendre de quoi s'agit-il. Il y a dans l'hystérie des phénomènes de corps que Lacan a désignés comme événements de corps. Événement de corps, c'est la localisation d'un phénomène de corps lié au refoulement. Il y a une idée que l'inconscient, par le refoulement, a un effet sur le corps qui se traduit par des phénomènes de corps qui sont variables. Freud les a appelés conversions, Lacan a appelé événements de corps, parce que quelque chose se localise, se fige au niveau du corps. Ça, c'est un effet de l'inconscient. Et c'est relatif à l'opération du refoulement. Donc, c'est propre à la névrose. Les phénomènes des corps dans la psychose sont autre chose parce qu'ils ne sont pas liés au refoulement. Et donc, il faut distinguer à chaque fois, quand on parle des phénomènes des corps, essentiellement, s'ils sont des phénomènes des corps liés au refoulement ou s'ils sont des phénomènes des corps, juste l'expression d'un corps qui n'a pas été suffisamment traversé par le langage, comme c'est le cas dans la psychose, notamment la schizophrénie. Merci, Louise. Oui. J'aimerais bien savoir comment un symptôme peut différencier entre toutes les approches psychanalytiques. Approche psychanalytique ou thérapeutique? Thérapeutique, disons thérapeutique, c'est mieux. Oui. Oui, entre la psychanalyse et les autres thérapies, je n'ai pas très bien compris. Oui, moi la psychanalyse, la psychiatrie et les autres approches thérapeutiques. Oui. Okay. Oui, c'est quelque chose que j'ai commencé à avancer, mais il est important de revenir. Comme ça, ça permet de souligner les choses, ça clarifie les idées. En règle générale, la conception générale, de la part de la psychiatrie, qui finalement, elle s'effondre sur l'idée médicale du symptôme. Et c'est la ligne suivie par les différentes formes de psychothérapie aussi. C'est qu'un symptôme, c'est la déviation par rapport à une norme. Donc, on pose une norme. La norme, au fond, c'est quoi? C'est on fait une statistique et 90% des personnes ont une modalité de fonctionnement, les 10% extérieurs sont considérés comme symptomatiques par rapport à la norme. Maintenant, une chose, c'est quelque chose qui est un symptôme du point de vue de la norme sociale, disons-le, que ce qui est symptôme pour quelqu'un. Donc, c'est ça le point essentiel. Pour la psychanalyse, un symptôme est ce qui fait symptôme pour quelqu'un. Autrement dit, c'est pas l'idée de la norme. Quand quelqu'un vient voir un analyste, l'important, ce n'est pas que les autres disent que je veux pas bien. L'important, c'est que le sujet puisse se dire dans son débat avec lui-même qu'il y a quelque chose de lui qui ne lui va pas. Donc, c'est pour ça que le symptôme en psychanalyse est essentiellement lié à la notion de répétition. La répétition, pour le dire de façon encore plus explicite, quand un sujet s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, une fois, il peut dire « c'est la faute de l'autre ». Quand la situation identique se répète une année, 2 ans, 3 ans plus tard, avec des personnes différentes, à un moment donné, il ne peut pas continuer à dire « c'est la faute de l'autre ». Si le partenaire change et la situation qui s'est produite, elle est la même, il y a forcément quelque chose qui vient de lui. Donc, le symptôme pour la psychanalyse est essayer de faire sentir à quelqu'un quelle est sa part à lui dans ce qui ne va pas. Donc, une fois qu'il a pu saisir ce qui ne va pas, il s'agit de traiter ce qui ne va pas. Or,
l'idée de la psychanalyse d'orientation lacanienne est, c'est certain que ce par quoi on commence va changer. C'est pas la même chose au bout d'un certain temps. Il y a des effets, c'est ce qui est demandé à une analyse. Une analyse, l'importance, c'est que ça puisse avoir des effets. Il y a des gens qui viennent à l'analyse avec un problème, ils disent « mais je ne vais pas attendre 10 ans ». Mais qui a dit ça? Qui a dit ça? Il est important qu'il y ait des effets, et qu'il y ait des effets même le plus rapidement possible. Simplement, il y a des effets de l'analyse qui interviennent plus tard, et puis dans le symptôme, il y a quelque chose qui se rebelle, qui résiste, qui ne veut pas forcément rentrer dans une sorte d'accord avec le sujet. Donc, c'est ça qui demande du temps. Mais les effets, ils peuvent être rapides. Donc, pour la psychanalyse, un symptôme, c'est ce qui fait symptôme pour quelqu'un. Donc, une analyse ne cherche pas à normaliser, à faire rentrer dans la norme. Je pourrais peut-être dire... ce monsieur qui, par exemple, se lave les mains, le médecin va lui dire « tu as un TOC », mais si lui-même n'est pas dérangé par ce lavage, ce n'est pas pour nous un symptôme. Oui. Le principe de la psychanalyse, c'est qu'on ne vient, on fait pas une psychanalyse parce qu'on nous l'a demandé. Ce n'est pas l'autre qui peut faire la demande. Il y a quelque chose qui doit partir de soi-même. Et c'est quand soi-même, il y a quelque chose de soi-même qu'on veut changer, là, il y a une condition de possibilité. Ce n'est pas fait pour tout le monde, hein, parce que souvent, ce qui est frappant dans le monde, c'est qu'on répare plus facilement les symptômes de l'autre que les nôtres propres. Donc, on envoie les autres à soigner les symptômes. Il y a des gens qui viennent et ils disent « Ah, mais c'est ma mère qui devrait venir, ou mon père, ou mon frère. » Donc, tous les autres ont des symptômes, sauf le sujet. Ça prend du temps pour quelqu'un s'aperçoit qu'il est pour quelque chose dans ce qui lui arrive dans la vie. Oui, Monsieur Luis, c'était un désir de vous avoir parmi nous au Liban, et c'est un plaisir maintenant d'écouter votre discours. J'ai une question à poser au psychiatre et à l'analyste qui est Monsieur Luis. Vous venez de définir l'analyste en tant que praticien d'une éthique qui ne veut pas guérir le sujet si la guérison de son symptôme n'est pas son désir. Ma question, c'est qu'advient-il de l'éthique face à un sujet dont le désir est de se suicider? Oui. Oui. Je suis content qu'on me pose la question. Premièrement, moi, je refuse complètement de parler des désirs des suicides. Le suicide, ça peut pas être un désir, par définition. Le désir est lié à la vie. Donc c'est ça l'idée fondamentale de la psychanalyse. Donc c'est une question qui s'est posée depuis très longtemps. Si on part du principe éthique, qui est le principe de suivre le désir du sujet jusqu'à ses dernières conséquences, et quelqu'un a le désir de ne pas rester en vie, quelle est la position de l'analyste? Donc première remarque, le désir de suicide n'existe pas. Il y a la volonté de se suicider, il y a peut-être la décision à un moment donné de se suicider, ce n'est pas de l'ordre du désir. Le désir, il est forcément lié à participer du symbolique, donc il est lié à la vie. Donc l'idée de Lacan, c'est plus on est dans la vie, plus on va être du côté du désir et vice-versa. Plus on produit du désir, plus on va être dans la vie. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la psychanalyse comme une pratique qui pousse au lien social. On croyait il y a longtemps qu'une analyse, ça consistait à la fin de rester seul avec soi-même, tranquille, séparé des autres pour ne pas être perturbé. C'est le contraire.
Une analyse, c'est se rendre compte de l'importance d'être en lien avec l'autre. Donc, c'est une pratique qui va à l'encontre du suicide, qui est la séparation des autres et rester seul. Donc, si un sujet, maintenant, cliniquement, exprime cette volonté de disparaître, de ne pas être dans la vie, ben, la psychanalyse, elle va contre, absolument contre. Et en ce qui me concerne personnellement, ça m'est arrivé dans ma vie clinique, je veux dire, quand quelqu'un est complètement déterminé à se suicider, d'appeler la famille pour que se fasse hospitaliser. Je ne le considère pas, je n'interprète pas ça comme un désir. Donc, et avant tout, la personne qui reste en vie. التحليل النفسي انه بيقولوا انه هو اكثر طريقه علاجيه بحاجه لوقت، وكمان انه هو انه ممكن بعد العلاج يرجع الانسان ينتكس. هل مزبوط هالكلام او لا؟ بس حابه اتاكد. شكرا جزيلا. Donc la psychanalyse est un moyen de traitement qui demande du temps. Et est-ce que la personne, après ce genre de traitement, peut récidiver dans ses symptômes? Telle est la question. Oui, une psychanalyse, ça demande du temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre du temps pour qu'elle produise des effets. Comme je disais, les effets, il faut qu'ils commencent à se sentir rapidement et le sujet perçoivent les effets quand même assez rapidement. Vous avez raison de poser la question de la récidive parce que ça concerne la question de la répétition. Et le problème avec la répétition, c'est pourquoi un sujet répète. Un sujet répète parce qu'il y a paradoxalement une satisfaction inhérente à la répétition. Donc, il y a une dimension de contrainte pour un sujet à répéter. Et l'idée de Lacan, et ça se confirme cliniquement, c'est que paradoxalement, c'est la répétition qui permet qu'il y ait du nouveau. Parce que à chaque fois que quelqu'un répète, il répète pas tout à fait de la même façon. Donc, il faut laisser le temps pour que la répétition se produise. Donc, le problème, c'est un problème pour la psychanalyse, c'est il faut que la répétition, elle puisse se répéter, laisser le temps pour qu'elle se répète, parce que c'est la condition pour qu'il puisse y avoir du nouveau. Et en même temps, c'est vrai qu'on vit dans un monde qui a des exigences par ailleurs, il y a des pressions, il y a des pressions sociales. Le sujet, c'est pas qu'il peut se mettre complètement isolé du monde pendant un certain temps et puis retourner au monde. Il vit dans le monde. Donc, ce sont deux dimensions qu'on tient compte au cours d'une analyse. Je voudrais savoir si la psychanalyse suppose un retour à la période d'enfance. Et est-ce que c'est nécessaire de retourner avec le patient à la phase, aux différentes phases qu'il a vécues pour comprendre plus profondément ses symptômes? Voilà. La réponse à cette question, c'est absolument oui. Une psychanalyse essentiellement s'occupe d'analyser le symptôme infantile. C'est ce que j'ai insisté. C'est-à-dire que la structure de nos symptômes sont liés à nos symptômes infantiles. Et le symptôme infantile, c'est quoi? Le symptôme infantile, c'est la façon dont l'enfant interprète les désirs des parents. Quelque chose de qu'est-ce qui a présidé le désir des parents entre eux, entre les parents, entre le couple parental,
et le couple parental en relation à l'enfant, donc c'est ça qui constitue, qui va donner la base du symptôme infantile. Lacan disait, le symptôme infantile représente la vérité du couple parental. Autrement dit, l'enfant, dans ses symptômes, exprime la vérité de ce couple. Donc, c'est à partir de là qu'il se constitue ce qui fait la spécificité de quelqu'un. Forcément, une analyse, ça va être l'expérience qui ramène à quelqu'un à élaborer finalement comment il a interprété les désirs des parents. Très honoré par votre présence parmi nous au Liban, c'est Michel Fallah. Alors, vous avez parlé de la psychanalyse, des analyses, de la guérison, des désirs. Ma question est-ce que la psychanalyse a pour but de pousser le sujet lui-même à identifier ses propres désirs, afin qu'il aboutisse à trouver sa propre guérison, c'est-à-dire pousser le sujet à identifier vraiment ses désirs, les bons et les mauvais, disons, afin qu'il aboutisse lui-même à se guérir, entre guillemets, guérison. Oui. Quand j'évoquais la question du surcroît, c'est que ça ne peut pas être un désir injecté du dehors. C'est pas un désir qui peut venir du dehors. L'idée essentielle avec la psychanalyse, c'est que la structure du sujet suppose l'existence d'un désir. Et ça, Lacan est resté strictement freudien, parce que Freud posait que le désir, il est indestructible. Ça veut dire qu'un sujet, dans sa constitution infantile, possède un désir. Il a un désir. Le désir est de son côté. Donc, ça n'existe pas, le sujet non désirant. Le sujet non désirant, s'il existe, c'est dans des catégories cliniques extrêmes. Certains cas pathologiques très, très sévères, là, on pourrait dire qu'il n'y a pas de désir. Par exemple, quand on évoquait un sujet complètement déterminé à l'idée de se suicider. Donc là, on a un sujet qui n'a pas de désir. Donc, l'idée de la psychanalyse, c'est que on suppose le désir à l'autre. Le désir est du côté du sujet. Le problème, comme je disais, c'est que c'est un désir tortueux qui prend, pour le dire de façon très simple, à la place de prendre l'autoroute, ça passe par tous les petits chemins des villages. Donc, une psychanalyse, ça consiste à prendre la voiture qui passe par tout le village et la mettre sur l'autoroute. Il y a ce qu'évoquait là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la pulsion, qui est à distinguer du désir, mais essentiellement l'idée, c'est que les choses sont du côté du sujet. Ce que l'analyste fait, c'est rectifier les obstacles qu'un sujet s'émet pour les satisfactions de la pulsion. La pulsion, elle s'est satisfaite. Chacun trouve des moyens de se satisfaire sur le plan de ses besoins, sur le plan de la pulsion. Et en même temps, il s'est satisfait par des circuits qui sont complexes et il ne réalise pas son désir. Donc, l'analyse élucide ces dimensions-là, élucide les entraves qu'un sujet s'émet pour son cheminement. أهمية هل من المهم خضوع جميع الأخصائيين النفسيين للتحليل النفسي والسؤال الثاني إنه بالأوبسيسيون والهيستيري هل يمكن الاعتماد فقط على التحليل النفسي في العلاج أو يجب المساندة بالأدوية والعقاقير شكرا alors
D'abord, il vous remercie, puis il pense, il pose la question, il a deux questions à poser. La première question, voilà. Donc la première consiste à dire que, est-ce que tous les spécialistes de la santé mentale doivent-ils être passés par une thérapeutique, doivent-ils faire leur psychanalyse? Deuxièmement, est-ce que il peut y avoir une conjugaison du médicament, de la médication par médicament, ou simplement une analyse? Simplement une analyse. Oui, la question est-ce que... Oui, par rapport à la première question, non, bien sûr que l'analyse, ce n'est pas quelque chose qui peut se poser en termes ni d'obligation, ni des nécessités, j'utilisais les termes de choix. Ça reste un choix. Maintenant, il est certain que celui qui est confronté à la souffrance des autres, il va avoir comme outil de perception de la souffrance de l'autre, un outil qu'il ne peut pas obtenir par ailleurs si lui-même il a fait une expérience qui l'amène à reconnaître quels sont ses symptômes. Parce que l'idée, par définition, c'est que tout sujet a un symptôme. C'est ça la thèse que j'essaye de soutenir. Le symptôme fait partie de la structure humaine. Donc, il est important de savoir quel est son propre symptôme. Plus on va connaître quels sont les symptômes et comment on fait avec ces symptômes, moins on va interférer dans l'aide qu'on va apporter à quelqu'un. Ça me paraît un principe logique. La meilleure façon d'aider à quelqu'un, c'est de se connaître soi-même, je trouve. Sinon, on risque, en aidant l'autre, de mettre ses propres idées à soi. Et c'est ce qu'il faut éviter. Maintenant, la question de... Est-ce que le traitement doit être un traitement de parole ou un traitement des médicaments? Vous me demandez ça à moi. Si moi j'ai choisi, après la psychiatrie, la psychanalyse, c'est parce que je suis convaincu que dans l'idéal, il faut s'en sortir par la parole. Ça ne veut pas dire que je ne reconnais pas les effets des médicaments. Les médicaments, parfois, ils sont absolument nécessaires. Les médicaments sont nécessaires, mais quand on peut se passer des médicaments, et dans la mesure où on peut se passer des médicaments, je pense que c'est le mieux. Pourquoi introduire quelque chose d'artificiel quand on peut l'éviter? Mais je reconnais les effets, parfois ça m'arrive de les utiliser. Donc, votre position de psychanalyste, votre discours de psychanalyste et votre discours de psychiatre, comment vous les conjuguez ensemble? Tu as une question à ce propos? Un instant, il y a la même question, j'ai l'impression, Carla. Ah. Bonjour. Bonjour. Vas-y. Oh, oui. Ok. Donc juste pour continuer peut-être votre question, donc vous êtes psychiatre, psychanalyste. Ok, on entend bien ça. Peut-être on peut comprendre, mais peut-être ça peut poser problème ici chez nous. Donc peut-être, je ne sais pas si j'ose dire, pour nous ici, psychiatres et psychanalystes, donc c'est un peu, je ne sais pas comment on peut le comprendre. Donc, Oui, je comprends bien comment la psychiatrie de Charcot, peut-être après à Freud, puis les structuralistes, les post-structuralistes et tout. On comprend comment donc, tous les psychiatres se sont penchés sur la question du psychisme pour essayer de comprendre et puis comment on est arrivé à la psychanalyse avec tout ce cheminement. Très bien. Mais on comprend peut-être ici, nous, Libanais, si j'ose dire, que peut-être les psychiatres ils sont plutôt dans le discours peut-être scientifique, mais peut-être même universitaire chez nous, mais peut-être même, si j'ose dire aussi, ils sont la plupart, je ne sais pas si je peux le dire, mais je vais le dire, ils sont dans le discours capitaliste. Okay. Donc, ils sont, comme pour vous, donc, comment comprendre le discours psychanalytique avec le discours peut-être capitaliste pour nous ici,
universitaire ou ok. Et donc, comment est-ce que un Libanais ici peut comprendre comment on peut être comme psychanalyste et psychiatre je sais pas si... Oui, il y a plusieurs questions. La première, c'est comment on peut être psychanalyste quand on a été psychiatre. C'est un peu ça, Mounir. C'est un peu ça, comment on peut être psychanalyste quand on a été psychiatre. Vincent. Oui, mais plutôt pour nous, Libanais, parce que ici, disons, peut-être il y a un syndicat pour les psychanalystes, pour les psychothérapeutes, et peut-être pour les psychiatres, ils appartiennent donc à l'ordre des médecins. Donc, c'est même pas fonctionnellement, donc disons, peut-être politiquement, pas dans le sens de la politique, mais politiquement, donc pour la gestion des psychanalystes, ou des, donc, comme société, donc politiquement, un psychanalyste, comment est-ce qu'il se situe? Oui, je peux, peut-être c'est plus facile si je parle un peu de moi. Écoutez, mon parcours, moi j'ai choisi tout d'abord la psychiatrie. Une fois que j'avais fini mes études de médecine, j'avais fait mon internat en psychiatrie. Et mon cheminement a fait que je m'apercevais qu'on laissait de côté une grande dimension de l'expérience humaine si on s'est limité aux médicaments. Ça a commencé comme ça. Donc, j'ai découvert les séminaires de Lacan, le séminaire sur les psychoses. Donc, j'ai commencé à le lire. Et j'ai trouvé dans ces séminaires beaucoup d'explications à l'expérience clinique de mes patients psychotiques à l'hôpital qui m'étaient pas données par les médicaments. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser. Après, il y a eu tout mon parcours personnel qui a fait que je me suis actuellement consacré uniquement à la psychanalyse. Donc, je peux dire que je suis plus psychiatre, d'une certaine façon. J'ai fait ces parcours sur beaucoup d'années. Mais au départ, j'étais centré sur la question de la guérison du psychotique. C'était peut-être un de mes fantasmes. Il a fallu me guérir de ce fantasme. Et alors, c'est pour ça que j'ai fait une analyse personnelle. Donc, une fois qu'on fait son analyse personnelle, on voit quelle est la part de soi-même qui peut interférer avec les patients. Donc, il vaut mieux laisser de côté la partie de soi-même qui est fantasmatique. En ce sens, ça reprend la question, est-ce qu'il vaut mieux faire une analyse? Et je réponds, c'est pas une obligation, mais quand même, c'est très utile. Donc, par rapport à l'état actuel des choses, c'est sûr que la psychiatrie, elle est centrée sur un idéal scientifique. Et l'idéal, c'est accommoder le maximum le sujet à être normal. Alors que la position du psychanalyste est l'inverse. C'est dans la reconnaissance du fait que le symptôme est nécessaire qu'il se trouve la normalité. C'est là où il y a le normal. Le normal, c'est quelqu'un qui a pu dire non à l'autre, d'une certaine façon. Le symptôme, c'est quelque chose qui ne s'accommode pas complètement à la règle. Donc, il y a une éthique, en effet, qui diffère entre l'éthique analytique et la position du psychiatre. Il y a une opposition. Donc, dans ce sens-là, je dis, je ne suis plus psychiatre. Quand il y a quelqu'un qui a besoin des médicaments en général, je l'envoie chez un confrère, ça n'empêche pas d'appartenir à l'ordre des médecins en France. Je crois que c'est important que les analystes, ils ne se coupent pas du monde non plus. Moi, je fais partie de l'ordre des médecins, et quand mes confrères me demandent qu'est-ce qu'ils font, je leur explique. Merci, je voudrais dire à monsieur, نقابة المعالجين عنا بلبنان اللي ممثلينا موجودين في ضرورة الواحد يعمل يمرق بنسق شخصي أيوة. أيوة. مش ضرورة ضرورة يمرق نسبة سونيا داني oui, mais je dis que au syndicat des psychothérapeutes ici et psychanalyste, il est important d'avoir fait une thérapie, une thérapeutique personnelle, chacun selon une psychanalyse, une formation en thérapie, n'importe quoi, mais aussi une thérapie personnelle.
Donc ça, c'est une obligation pour appartenir au syndicat libanais, n'est-ce pas? Dani Wadia, Mahé. Oui. Question, oui. Bonjour, merci pour votre présence entre nous. En fait, la psychanalyse qui est née en Europe, elle a bien grandi en Amérique. Mais maintenant, elle est revenue en Europe et elle est moins connue en Amérique, si on peut dire, malgré que vous allez vous réunir en Colombie. Mais pourquoi vous pensez qu'il y a eu ce recul en Amérique ? Il y a une avancée en Amérique, mais c'est tout un autre historique que Luis va... D'années 30 et 40. Oui, je suis d'accord avec votre constat. Simplement, je dirais qu'elle ne s'est pas agrandie. Elle s'est agrandie en nombre d'analystes. Donc les nombres d'analystes ont proliféré, la psychanalyse, elle s'est réduite. La psychanalyse, je veux dire, sur le plan théorique, elle s'est réduite, bon... C'est un long débat, mais essentiellement pour des raisons historiques, le besoin, je pense, d'accommodation des analystes d'Europe, comme vous dites, les analystes qui sont venus d'Europe au moment de la guerre, ils ont eu besoin de s'adapter au mode de vie américain. Donc la psychanalyse, elle s'est adaptée aussi à la façon américaine. Donc, il reste pratiquement rien de la psychanalyse, ce qui est resté, c'est le monde américain. Donc j'étais assez étonné parce que ça m'est arrivé d'aller aux États-Unis, rencontrer des analystes. La société américaine m'avait invité une fois à parler, à dire quel est le point de vue lacanien des choses. J'étais assez étonné parce qu'on m'a donné un cas, l'expérience était sympathique, on m'a donné un cas d'une analyse, mais dites-vous en tant que lacanien, comment vous ferez? Et ils avaient fait ça au cours de l'année en invitant un kleinien, un winnicottien, à quelqu'un de la société américaine et un lacanien. Donc quand je dis quelle était ma vision des choses, ils me disent « mais finalement, vous faites comme Freud ». C'est-à-dire, c'est sûr, il y a dans l'opération analytique chez Lacan, restaurer l'esprit de la lettre de Freud, alors que la psychanalyse aux États-Unis, c'est un éloignement de la position freudienne. Le point qui m'a le plus frappé, c'est que les Américains, dans leur demande d'analyse, c'est « I am not happy ». Et donc, la seule question, c'est, ils veulent être happy. Donc, il faut quelque chose de plus pour faire une analyse. Qu'être ou ne pas être happy, c'est ça la question? Question, oui. Monsieur. Merci. Vous avez évoqué un beau souhait qui est des analystes au Liban qui soient à la hauteur de l'éthique psychanalytique. Donc du coup, ça m'amène à poser cette question plus large au groupe des 25 et à vous. Qu'est-ce que vous avez pensé en termes de formation des analystes au Liban et quelle place vous voyez y jouer dans cette formation? Voilà. Vous me posez la question à moi? À nous deux. À nous deux. Ce groupe donc est un noyau qui commence. Nous avons noué avec d'abord l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien France. Et ils sont en train de nous encadrer, de nous aider. Nous faisons des séminaires, bien sûr il y a des analyses personnelles. Aujourd'hui il y a des gens qui rentrent en contrôle avec des psychanalystes français. Et c'est le forum n'est pas limité à un pays. Luis va vous expliquer ça. Il a une envergure internationale. C'est pour ça d'ailleurs cette année l'Assemblée internationale, cette assemblée se fait chaque 2 ans. Elle se fait en Colombie, tantôt de ce côté du Pacifique et tantôt de l'autre, n'est-ce pas? Et elle se fait en Colombie et il va y avoir une reconnaissance du Liban en tant que forum de champ lacanien. Mais peut-être que Luis peut mieux expliquer. J'ai occulté certains passages parce qu'il est plus à même de dire les choses.
Oui, la psychanalyse au Liban ne commence pas aujourd'hui. Bien sûr. Il y a une histoire et Léla, elle travaille pour ça depuis 30 ans. C'est sûr que là, il y a un tournant dans la mesure où il y a une connexion qui s'est faite avec l'international. Et concernant l'avenir de la psychanalyse au Liban, je suis ravi qu'on ait, avec Muriel, on ait pu se revoir. Et je suppose qu'on est, vous me connaissez. Et donc, j'espère que vous allez vous joindre au 25. Oui, bien sûr. Alors, ça, on fait des formations et des séminaires. Et on a toujours des gens de l'extérieur qui viennent nous encadrer et nous enseigner. Il y a d'abord l'enseignement qui est très important. Oui, monsieur. Oui, bonjour. Moi, je viens du monde de la médecine, bien intéressé par la psychanalyse. Peut-être un jour, je ferai pareil, je quitte la médecine, j'irai vers la psychanalyse. Ma question est la suivante. En médecine, vous le savez bien, en tant que médecin, les normes sont claires entre guérison, entre pathologique, non pathologique. Il y a des chiffres, le nombre des globules rouges, des globules... C'est clair, c'est net. Il me semble que la psychanalyse, c'est comme un voyage en pleine mer. Il y a du brouillard. L'analyste, il est le capitaine et l'analysant, il est dans le bateau. Il y a du brouillard. Donc, c'est un monde, il y a de la subjectivité. Le symptôme, c'est un peu subjectif. Donc, comment guider, comment préciser les normes, comment aboutir, quand est-ce que s'achève une psychanalyse? C'est pas clair, c'est un peu... c'est très subjectif, donc ça pose une énorme responsabilité sur l'analyste et le sujet, la personne qui est sous l'analyse, elle est un peu perdue. Donc il n'y a pas de réponse claire comme en médecine, il n'y a pas de notion claire, il n'y a pas de critères tranchants et coupants et on dit que c'est fini, maintenant vous êtes guéri. Donc on est trop dans le subjectif. Comment gérer ça? Oui, c'est une vaste question. Ça a été même pour moi une vaste question personnelle, puisque, en effet, moi, formé à des critères scientifiques de la médecine, je partage complètement ce que vous dites parce que c'est un fait. C'est pas quelque chose qui est votre opinion. C'est un fait que les choses, elles sont comme ça. Alors, comment répondre à votre question? J'ai mis l'accent, j'ai beaucoup insisté sur la question de qui devient analyste. C'est parce que le point, c'est pour répondre à cette question, c'est uniquement, on peut répondre du côté de l'analyste. Quelqu'un, c'est lui qui n'est pas perdu dans la tempête avec le bateau et l'analyste. Parce que si les deux sont perdus, ça pose un problème. Le patient, c'est sûr que s'il vient, c'est parce qu'il est un peu égaré. Chacun est égaré au début d'une analyse. Est-ce que ce qui m'arrive est un symptôme ou pas un symptôme? Est-ce que celui qui est en face de moi, il va m'aider ou pas m'aider? Est-ce que je peux lui faire confiance? Il y a des multiples questions. Et c'est une expérience spéciale parce que on va confier la chose la plus intime de soi-même à quelqu'un qu'on connaît pas. C'est très bizarre comme expérience. C'est très bizarre. Alors, c'est pour ça que j'ai insisté beaucoup sur la formation de l'analyste, parce que la seule chose sur laquelle on doit et on peut dire qu'on n'est pas perdu, c'est sur le capitaine du bateau. Donc, le capitaine du bateau, lui, il doit voir clair dans la tempête. Donc c'est lui qui sait si une analyse est possible ou pas possible, si quelqu'un qui demande une analyse, peut-être il convient pas la faire, il convient de ne pas la faire. Et il est lui qui est responsable d'engager quelqu'un ou pas dans une analyse. Il y a que l'analyste qui est responsable sur ce point. C'est pour ça que j'ai insisté, il y a des devoirs du côté de l'analyste. Et il est légitime qu'un analysant exige ça de l'analyste. Le devoir, c'est le devoir de conduire le bateau. Il ne conduit pas les personnes. Les personnes se conduisent chacun soi-même, mais il conduit, disons, l'expérience. Et une analyse se termine quand
Le Freud le disait d'une façon très simple, ça fait rire quand on l'entend, il dit une analyse, ça se termine quand les deux personnes, elles ne se voient plus. Alors, il le dit de façon très simple, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y a un moment où l'un, lui, ça suffit. Alors, c'est lui qui est, c'était le patient, c'est lui qui n'est pas le patient, l'analyste, il peut considérer que le ça suffit du patient est pertinent ou pas. Et parfois, il a des arguments à faire valoir. Parfois, il faut qu'il accepte simplement. Ça se termine parfois très rapidement, parce que quelqu'un vient deux, trois fois et dit « à moi, ça me suffit ». Et alors, bon, Freud disait « il ne faut pas que la guérison soit trop prématurée non plus ». Et puis, il y a l'autre problème, vous l'évoquez pas, mais c'est un problème, ceux qui veulent pas terminer. Il y a des gens qui trouvent que c'est très bien, le dispositif analytique, on peut continuer à parler de soi, et la question c'est comment conclure. Donc, il y a toute une série de phénomènes cliniques qui se posent, c'est pour ça que il existe la communauté analytique, qui est un lieu aussi des confrontations, des expériences, parce que sinon, le risque, c'est que ça devienne un délire à deux. يعطيك العافية. لو سمحتوا هون السؤال. كيف بعصر السرعة اللي نحن فيه، كيف بيخدم تحليل النفسي المريض لأنه يوصل بسرعة للشفاء ونحن بنعرف إنه بياخد وقت طويل. بفتكر جاوب على السؤال بس عادي حابة أرجع أسأل إياها. قديه الوقت لأنه سؤالي قديه الوقت بده يكون قديه يعني تقريبا وكيف هيدا المريض اللي بده يغيب وقت هو قال الدكتور شوي بس بده أنه يكون فعليا أخذ وقت وكيف لما بده يرجع حيتعامل بضل بالحياة dans ce siècle de vitesse combien de temps enfin une analyse prend je dis que c'est déjà plus ou moins résolu comme question mais on peut recommencer هيدا هو السؤال الأخير اللي راح ينسأل في شيء غير سؤال Deux questions. On va prendre deux. Oui, la question, puis deux autres et on clôture. Je réponds d'abord. Oui, s'il vous plaît. Oui, il ne faut pas considérer que la période d'une analyse est une parenthèse dans laquelle on met sa vie en suspens. La vie, elle continue. Et donc, même au cours d'une analyse, il y a un certain nombre important de choses qui se passent. Donc, ce n'est pas que la vie, elle se met en suspens. Donc il y a même les effets importants d'une analyse pour les choses qui sont en cours dans la vie d'un sujet. Il faut pas attendre la fin d'une analyse pour que les choses commencent. Oui, vous êtes. Merci d'être venu au Liban. Ma question, vous avez évoqué que chez les Américains, leur demande principale, c'est to be happy, is to be happy. Et vous avez évoqué que ce traitement exige un plus. C'est quoi ce plus? Merci. Mais le plus, c'est du côté du savoir. Qui est ce que j'évoquais comme étant l'élucidation des parties opaques de soi-même. On a des parties opaques. Et même une analyse, même à la fin d'une analyse, on n'arrive pas à éclairer toutes ces parties. Donc une analyse, c'est une pratique de savoir. On arrive à savoir un certain nombre de choses sur comment nous agissons avec les autres, pas comment les autres agissent avec nous. Quelle est notre part dans ce qu'on agit, dans notre rapport à l'autre? Donc, ce n'est pas juste essayer de trouver des méthodes pour être plus heureux. Ce n'est pas la question d'être plus heureux, c'est la question d'être plus conforme à son propre désir. Et pour cela, ça passe par une élucidation de qui on est. Dernière question. Oui. Voilà. Allez, dernière question. Monsieur Luis, une deuxième question, je vous demande. Vous dites que l'analyste va à l'encontre de ce qui est posé normal par la société. Ne serait-on en train, dans un sens, de favoriser une anarchie sociale de l'analyse, un Babel
où chacun se dit singulier dans son désir d'être. Je me demande. Oui, c'est une très bonne question. Quand j'ai dit à l'encontre, c'est que c'est pas l'analyse, c'est pas un appel à radicaliser les positions. C'est toujours en agir selon le propre désir, mais en fonction d'une éthique qui tient compte l'éthique collective. Donc ça, c'est une dimension très importante que vous soulignez. Lacan l'a résumé par une phrase qui a toute son importance. Il n'y a pas de satisfaction si ce n'est pas au sein d'une communauté. Donc ce n'est pas le désir de l'un écrasant les désirs de l'autre. C'est le désir de l'un, mais dans une satisfaction des communautés. Donc, en effet, ça ne peut pas être quelque chose qui va de l'ordre de uniquement privilégier l'un. J'insistais sur quelque chose qui pousse au lien social. L'un et l'autre. Oui. Dernière question. Non. Je veux remercier d'abord. Je suis Omar Ayoubi. Étudiant aux facultés de santé publique, troisième section, sciences infirmières, troisième année. Ma question un peu plus loin de psychanalyse. Je suis en train de préparer une mémoire par rapport à la contention physique dans les hôpitaux psychiatriques. Je vais poser des trois questions. La première question, c'est quels sont les critères par rapport à partir desquels un patient est mis sous contention physique, et est-ce qu'il y a un cadre législatif pour ce contention physique, et est-ce qu'il y a une prescription médicale si la contention physique d'un patient dans les hôpitaux psychiatriques, ça nécessite une prescription médicale. Et merci. Je souhaite de prendre troisième une meilleure... C'est où, Tripoli ou Beka? Tripoli, Barsas. Ok, merci. Oui. C'est-à-dire, c'est une question délicate à poser dans ce cadre parce que ça concerne les façons dont on travaille dans les hôpitaux psychiatriques. Et ça, c'est une question des psychiatres qui sont à l'intérieur de l'hôpital psychiatrique, de fixer les règles. Et puis, la législation au Liban, que je ne connais pas, qui fixe aussi les règles. Donc, ça échappe complètement à ce que je peux dire. Il n'y a pas encore une législation, enfin générale, je veux dire, au Liban, une loi pour tout le monde. Mais il y a des sociétés, des associations, il y a un syndicat qui légifère, qui donne une certaine législation. Mais ce n'est pas encore ça. Le ministère de la Santé a reconnu le syndicat, n'est-ce pas, il y a plusieurs mois. Depuis quand? Il y a eu reconnaissance donc, du syndicat et des lois et de l'éthique donc, mises. Vous pouvez rentrer sur le site du syndicat, peut-être qu'on vous le donnera tout à l'heure, pour voir un peu toute cette législation. C'est quand même quelque chose de très, très important. D'accord? Merci. Mais il faut que les hôpitaux psychiatriques introduisent les psys de toutes sortes, pas seulement les psychiatres. D'accord, merci. Monsieur Iskovitch, c'est un honneur de vous recevoir. On vous remercie pour ce privilège d'être parmi nous. Professeur Chikhani, au nom des 25 et des fondateurs du Forum, on vous remercie pour votre authenticité, intégrité et sagesse durant ces 40 ans dans le travail de transmission. Donc, on va clôturer quand même, ce n'était pas une question, merci, que ce ne soit pas une question. Oui, qu'est-ce qu'un psychanalyste? Je vais essayer de dire un peu tout ce que vous avez dit. Donc, un psychanalyste, c'est un linguiste entretenant un rapport de liberté avec son inconscient et un rapport avec la culture. L'originalité spécifique de la psychanalyse réside précisément dans la conception de l'activité signifiante chez l'être humain, désir et signifiant, puissance du langage à déverrouiller le symptôme, l'inhibition et l'angoisse.
en invitant l'analyste, comme l'a fait Luis Iskovic, à entendre à exercer des opérations sur le symptôme, à entendre l'inscription des traumatismes, aussi des joies, des douleurs, on peut dire, dans la parole. C'est dire que la vérité de nos corps globalisés et banalisés passe par la langue en un seul mot. Merci donc pour ce débat. Essayons de redonner à la psychanalyse sa portée humaine, historique, sociale. Pourquoi occulter ce que l'on ne connaît pas? Apprenons pour apprendre à aller plus loin. Merci à tous d'être venus. Nous dirons ensemble, vous d'ici et nous de Colombie, lors de la reconnaissance internationale de la psychanalyse lacanienne au Liban, le 17 juillet, ce 17 juillet. Vive le Liban! Merci.